Salat Eskouk, né en 1935. Fils du premier muezzin de la mosquée de Paris inaugurée en 1926. Il quitte une première fois la France pour l'Algérie quand les nazis envahissent Paris en 1940. En revenant, il s'inscrit au cours privé du Petit Marigny puis, grâce à un ami, il rencontre Jean-Marie Serrault qui, le premier, lui donnera sa chance. Il travaillera régulièrement des deux côtés de la Méditerranée. D'abord comédien, puis assistant metteur en scène pour Antoine Vitez et Ariane Mnouchkine. Il se frottera lui-même à la mise en scène. Au théâtre, il continue de travailler avec les plus grands, de Patrice Chéreau à Didier Besas en passant par Jean-Pierre Vincent. Puis petit à petit, les portes du cinéma s'ouvrent à lui. Il décède le 29 mars 2013 à 77 ans, des suites d'un cancer des poumons. Il est inhumé le 3 avril 2013 au cimetière musulman de Bobigny.